Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon la zone géographique où vous vous trouvez, Mbotinabino, Banso, Bayimboka, Moyoenu Banso, Mbotinabino, Mpangiamuno, Moyanyo, Hamjampo, Ndugwapenzi, Nazaliwa Bino, Etienne, Symphorien Kalalambalandaï de TV du Peuple, RD Congo. Voilà! Je vais vous présenter brièvement, 4 ou 5 titres, mais brièvement. Voilà, nous allons commencer par des titres très récents que j'ai triés pour vous, chers compatriotes. Voilà, Toko Bandana, Likambo, il y a Liwa. Liwa, il y a Paul Kagame, Akufite, mais rumeur Ebimi. Rumeur wana ebimi, moutoumoko tu taki yango, et panzani, et salibuse, na ba réseaux sociaux. Mais ndekomoko rwandais, président d'un parti politique de l'opposition en exil, Thomas Nahimana, azali prêtre religieux, pour bazali kobenga ye père, bazali kobenga ye abete, ye azali ko kangamake akufi. Azaliko exige preuve, il y a bomoi naïe. Voilà. Alors, Tokotie la binopé, discours, premier message. Il y a évêque Mukuna, en tant que libre, vous savez, évêque Mukuna, yé, afundaki, pe afundi, Joseph Kabila, na cour de cassation, pour n'a pas crime, naïe, ba crime de sang, naba crime économique. Voilà, Abimi Azali acquitté. Mais dès qu'on s'en soit fondillé pour un diamant, bah, Botolakie et pas Joseph Kabila, diamant, il y a 822 carats. Titre, on a tout autant que la binopé. Donc, dès qu'on Mbouyi, Théodore Mbouyi, a fondillé, a déposé plainte, mandat lundi, la cour de cassation. Comme quoi, Oyo Afundaki pona ba crime, abimi la prison. Mosou Safundiye pona diamant. Est-ce que ba kofondele pe ba ba crime ya lokuta pour ba kangisa e na ebite. Mais ya zangi ya sengi kaka 1,2 milliard. Donc Joseph Kabila a zangi angote, ba solo la pi, a prometta ka yepe a futa. Et voilà, et rattrapé, tozana état de droit. Victoire ya état de droit, yangwana, évêque Mukuna. Yende victoire ya état de droit. Nini lisusu, Augustin Kabuya lobi, pas de forum à Kokende Makambwanate, Bayebi Angote, UDPS, Bako, participete, à Taba suspendre, Nengba suspendre, Wana, Bo, Babengisa, Bande Komosusu, Bayana forum, Bako Kendete. Donc, va Congolais, Bele, peuple Mobimba, Balingi, forum Wana, Euti, Université de Liège, Sokina, Association Mosus, non, non et non, peuple Congolais, Alingi Makamwanate. Il y a aussi le premier bilan du gouvernement Ilunga Ilunkamba présenté par Jolino Makelele. Il dit que le bilan, il est positif. Ça, on va voir. C'est relatif. Il y a le Bindengwana, mais peuple à le Binini. Voilà, chers compatriotes. Bissot Petolo Binini. Mediana Bissot ou TV du Peuple. RD Congo, Tozali na point de Vinabissou là-dessus. Voilà, on commence avec le premier mot de l'évêque Mukuna au peuple congolais. Le premier message en tant comme libre. Il y a une multitude de gens.
Binomo Kobolandi, chers compatriotes, à l'obi, état de droit est sali. Ce qui, état de droit est salakaté, mais les condamnés, 20 ans, 30 ans, n'est pas salaka. Donc, il a échappé belle. Boyebi qui a déposé plainte contre Joseph Kabila dans la cour de cassation. Sikoyo, Ndongolomiso ya Kabili, ba inventé li kamoko ba ke koluka mami Tshibola pona kokosela ye makambu donc ba sali montage à vidéo ba preuve ezate azali akite donc état de droit est sali voilà sikoyo tole kana fake news ya liwa ya Paul Kagame mais bazali pe kolakisa te ke azali. Bon, mais Media Moko est publié donc que Ezali rumeur Yalokuta. Mais Monsieur Labé Moko, t'es Bazali Kopengaye, mon père, Thomas Naïma, opposant à Zaka la France Yalobi, Azali Ko confirmé que Akoufi. Donc, on va lire d'abord le média, ensuite. On regarde la vidéo du prêtre qui confirme que il est décédé. Voilà le média qui a publié que Paul Kagame n'est pas décédé, qu'il s'agit d'une rumeur. Il s'agit de Star Mag. Ça a été repris par le média online, mediamas.net. Donc, comme vous pouvez lire le titre là, Paul Kagame est mort. Le président rwandais victime d'une infâme rumeur. Le titre est là en anglais. Victim of Death Hoax. Voilà. C'est du magazine Star Mag, comme vous pouvez le voir. La fausse nouvelle du décès du président rwandais, annoncée mercredi après-midi sur Twitter, a provoqué un emballement médiatique sans précédent. Pas de panique. À 62 ans, Paul Kagame enflamme le réseau social. Voilà. Il n'est pas décédé. Et vous allez
permettre que nous puissions lire la suite rapidement et vous présenter l'autre vidéo, une vidéo qui confirme qu'il est décédé. Et voilà. Voici donc la suite que nous allons lire pour vous, chers compatriotes. Bandeko, voilà. Ezalia Mediamas.net. Mediamas.net. Voilà. Nasali RRT. Depuis mercredi 26 août, une rumeur lancée sur Twitter concernant une potentielle mort de Paul Kagame enflamme le réseau social. Rumeur planétaire, l'effet Twitter. Le réseau Twitter colporte toutes sortes d'informations, les vraies comme les fausses, les plus anodines comme les plus terribles, ainsi nombreux. Ainsi, nombre de personnalités ont déjà été l'objet de fausses rumeurs. Non. Ainsi, de nombreuses personnalités ont déjà été l'objet de fausses rumeurs de mort, se propageant sur Internet comme une traînée de poudre. Voilà, c'est ça qui est correct. Eux, ils ont commis une faute. Hier, ce fut au tour de Paul Kagame, chef d'État rwandais, d'être enterré par un tweet funèbre. Ouais. Malobini Lissoussou, permettez, je regarde mon écran. Tout est parti du message. Paul Kagame vient de nous quitter. RIP. RIP. Requiescat in pace, en latin. Publié sur le site de Microblogging, mercredi 26 août, vers 14h. La rumeur enflamme immédiatement la toile. Nouveau tweet, une heure plus tard. Décès de Paul Kagame, il est proche du chef d'État, du chef de l'État, confirme. Pour amplifier l'effet d'annonce. Ce dernier tweet est accompagné d'un lien vers le site Necropédia, qui précise pourtant que Paul Kagame n'est pas mort. Selon un sondage du Celebrity Post, une large majorité, 71%, jugeait mercredi soir les rumeurs du décès de Paul Kagame de très mauvais goût. L'entourage aurait démenti formellement la mort du chef de l'État. Voilà. C'est de Mediamas via AMP. Voilà, les chers compatriotes, comme quoi il faut toujours vérifier les informations avant de les publier. Mais par contre, je vais vous proposer une vidéo d'un prêtre qui, lui, confirme qu'il est décédé. Voilà. Voilà. C'est un fake news. Mais nous allons, soyez toujours branchés, nous allons attendre des confirmations officielles du gouvernement rwandais. Mais si jamais il était décédé, Bamedia, Minene, Netiba, TV5, Netiba France 24, la Balinga qui va publier en haut. Botala, Tabinobok. Le Rwanda est sans président. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus ? N'est plus.
Vous affirmez. J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Ouais. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Mmh. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, Vous êtes au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. Je suis tout à fait prêt. Je vous rappelle que nous avons essayé d'entrer en contact avec les autorités rwandaises, aussi bien à la présidence qu'à l'ambassade. Il nous a été tout simplement répondu que la personne que nous recevions sur le plateau avait le droit de dire ce qu'elle veut et ça n'engageait qu'elle. Donc je signale toujours que les autorités sont les bienvenues sur Vox Africa. Nous n'avons pas de parti, un camp comme dans l'autre. Nous, c'est tout simplement les faits. C'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas. Ben, peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, ce n'était pas ça. C'était, ils ont dit « nervous breakdown ».« Nervous breakdown », c'est que le cerveau était complètement, le système nerveux était complètement désintégré. Il ne pouvait que le placer en soins palliatifs. Donc, il souffrait beaucoup. Donc, les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors, ils ont décidé de le placer en soins palliatifs, là-bas. Et puis, en attendant, la décision de sa famille pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas le sauver. Donc, vous êtes catégorique. Catégorique. Le président du Rwanda, actuellement, est en état de mort cérébrale. C'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas ça, parce que je peux y arriver aussi, quelqu'un d'autre peut y arriver, c'est un accident de la vie. Mais le problème, c'est des conséquences politiques de cela. C'est un président de la République en exercice. Cela se passe, le gouvernement ne dit rien. Voilà ce qui est bizarre. Laissons donc les morts enterrés, leurs morts imaginaires. Paul Kagame n'est pas tout simplement mort, il est vivant. Alors l'an 1 du gouvernement Ilunkamba, Jolino Makelele note un bilan positif. Comme vous pouvez le voir sur le titre de bosolo.cd. Donc... C'est selon chacun, mais bon, lui il dit bilan positif, je pense que ses opposants disent bilan négatif, mais pour nous, peuple, nous qui faisons partie du peuple, le bilan est positif, mais à certains degrés, il y en a qui donneront 4 sur 5, d'autres 5, d'autres 6, ça dépend. Nous lisons la suite. Wana totangi ezali titre. Bon. Totanga sikoyo la suite soki balobinini bangomoko batia gouvernement. Bon. Motu ami pesaka yemoko lokomote mais il faut batmosus ba pesa yeloko, c'est-à-dire biso ba peuple topé sa bango ba point. C'est selon hein. Donc, on va lire la suite. Vous n'allez pas voir la suite, mais je suis en train de vous lire ça parce que il n'y a que moi qui vois l'écran dans ce cas-ci. C'est pour ça que je vous ai montré le titre de bosolo.cd. Alors, Bakomi Ninyawa, à l'occasion de l'an 1 du gouvernement Ilunkamba, Jolino Makelele, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, a tenu un point de presse au salon Congo du GHK ce mercredi 26 août 2020
afin de faire un rétrospectif, hein? Rétrospectif, hein? Quant à l'anassima, n'est-il un miroir ou un rétroviseur, hein? Sur le chemin parcouru par le gouvernement ayant dégagé, après évaluation, les éléments nécessaires pour consolider les acquis, améliorer les faiblesses constatées et dessiner de nouvelles perspectives pour la RDC. Au cours de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement a passé au crible, hein, crible Kinyungul, hein, au crible plusieurs secteurs de la vie nationale. Dans le secteur de l'éducation. Joli nom, à quel est les notes avec satisfaction la construction de 1000 écoles du programme Matata ainsi que la gratuité de l'école primaire sur toute l'étendue du territoire national. Sur le plan sanitaire, le gouvernement Ilunga Ilunkambara, avec l'appui du chef de l'État, a réussi à éviter le pire suite à la pandémie de Covid-19 et de l'épidémie à virus Ebola. Ainsi, pour ce qui est de la Covid-19, le taux de guérison se chiffre à 90% ou 90%. Par contre, en ce qui concerne la maladie à virus Ebola, elle sévit pour l'heure à l'Équateur. Donc, Alex, Alex est terminé, après avoir été vaincu dans la partie est du pays. Du côté de la justice, le porte-parole du gouvernement relève que la justice est en train de retrouver ses lettres de noblesse dans le pays avec l'avènement d'un état de droit tel que consacré dans notre constitution et affirme dorénavant son indépendance. Wanakutu, commentaire Yagosa et Zate. Donc, évêque Mukuna Abemi et sa victoire. Donc, Vital Kamere, à la prison, à Kosala, 20 ans. Donc, des travaux forcés. À Zapena, bah, dossier, mon souci, Zali Kozelae. Ya Kosenga, liberté provisoire, même 2000 fois. Et puis, 2000 fois, Bakoboya, bah, toujours. Joli nom, quelle est la note que le pays est sur une bonne allure en ce qui concerne le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Non seulement que les services de sécurité et de renseignement ont été humanisés, mais aussi et surtout les libertés fondamentales se déclinent aisément dans notre pays et les manifestations publiques ne sont plus réprimées, a-t-il déclaré. Wana Ezaya Solo, Wana Ngapenandimi. Le porte-parole du gouvernement affirme qu'après une année, la coalition CACH-FCC demeure unie autour d'un idéal commun afin de consolider la cohésion nationale selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui avait encore affirmé au mois de juillet dernier que l'heure n'est pas à la rupture entre le FCC et CACH. Par Ange Makanzo. Waneza Lokuta. Lokuta Mabe Bandeko. Bino Bondimi a solo que FCC. Nakash Baza Uni. Ah non, moi je n'y crois pas. Hein. Donc, Wana. Waneza politique. Hein, langage politique. Donc, Ganandimi te que Bango Bazali Uni. Hein. Jamais. Oyo Tozali, comment on a mis Bissomoko? Il n'y a pas d'union. Ils vivent en rupture. Et puis, depuis un certain temps, le président Félix Tshisekedi s'est émancipé. Bah, comment qu'on est là pour la audience, tout ça. Bah, Loukaraye, bah, mon arayete, bah, benga quand le téléphone à répondre à Kate. Donc, voilà, chers compatriotes, FCC, non, ils ne sont pas unis. Ça, moi, je n'accepte pas sur ce point-là. Ils ne sont pas unis. Voilà. Ngaï, bon, alors la TV du peuple RD Congo, donc, Bissot Europe, ça, bilan positif à
5,8 sur 10. Voilà, nous pensons, ben, il a fait des progrès, ça se voit. Mais ce qu'il avait trouvé, c'est une catastrophe. Hein. Pendant 18 ans, tout ce qu'ils ont détruit, ben, ce n'est pas en une année de gouvernement qu'ils vont le réparer. Hein. Donc, moi, je peux leur donner 5,8 parce que, bon, là, le nouveau régime n'a pas encore mis la main sur les finances, sur l'économie, que les ennemis de la République détiennent encore en main. Bon, espérons qu'avec la collaboration du FBI et de l'inspectorat général des finances, qu'il y aura des arrestations et la récupération des milliards qui sont à l'extérieur. Voilà, chers compatriotes. Alors, nous passons au dernier titre, c'est-à-dire celui de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui, lors d'une matinée politique, déclare que l'UDPS n'est pas partant pour le forum importé de la Belgique par le professeur Bob Kabamba de l'université de Liège, qu'ils ne sont pas partants. Et il n'y a pas que l'UDPS, hein. Il y a l'AFDCA de Baratil Koubou qui était invité. Ils ne seront pas de la partie. Il y a le FCC qui a décliné également l'invitation. Bon. Voilà, donc, regardez. Augustin Kabouya déclare lors d'une matinée politique de l'UDPS que le forum sur la réforme électorale importé de Liège par le professeur Bob Kabamba n'intéresse pas du tout l'UDPS et l'UDPS n'est pas partant. Bango Bakozala Tena Forum Wana, CNON Balingité, Bakomaki, même qui n'est pas président de la République. Réponse Ezali, Bayebi Yangote Bakozala T. Nakanisi toyokani malamu place wana. Toyokani pa un professeur là si c'est Kabamba ou quoi. Ondenge nini tozo mona bino i de peste. Toyokana malamu. Biso i de peste toza parti o ya ba principe tokoki komi kotsa na eloko kapo balobite opo muto auti poto opo balobia za professeur. Soki oke na kampisa okomona pe ba professeur bazana. Oh, mais écoutez, il ne peut se vivre. Ce que vous avez entendu, ça vous coûte à votre professeur Bazana. Hein? Mais voilà. Ah, on a quatre ans, pas professeur Bazalia. Hein? Nalobi, écoutez, vous savez ce qui m'a énervé dans cette affaire, c'est quoi? Le monsieur, pour donner la crédibilité à son histoire, va utiliser les mensonges. Nga na tolera ka lukuta te. Nazaka très sensible na ceux qui na monika okosi na koma motema moto moto puisque vous voulez faire passer le mal au les ako correspondre na tete. Le monsieur professeur ake toka na mbien kamwana. Akutani na ndeko na biso Jacquemain Chaban. Ayebisi ono akutani na mokonzi ya mboka, akutani na president Kabund yango azotindele pe invitation mpo akende kointervenir na forum wana. Ndeko Jacquemain abengi nga pour vérifier l'information. Nga lobi je ne pense pas. Abengi député na biso mosusu akosie lisusu ono j'ai causé avec les autorités du parti. Yo comme président groupe parlementaire, il faut qu'on y aille à Colombo. Président par groupe parlementaire, a bengi président Jean-Marc, a vérifié l'information.
président Jean-Marc Alobi, le monsieur ne m'a jamais rencontré, ne m'a jamais même appelé. Mais comment expliquer que pour à lancer ma invitation en Panabino, il faut utiliser ma combo moussous à Kosabouka Lukuta. Ça m'avait beaucoup énervé. Tout ce qui en a dit, pour ma tiri sous na Oya, pourquoi mieux pas mon conjamboka? Tout vérifier, je l'ai jamais les intervenants. Ma cambrisandengeni, n'a décrit une situation, le but, oh, il se trouve qu'il y a un peu de temps. Non, le bibi, le bibi, le bibi, le bibi, le bibi, s'il pense que pour être reconnu comme tel, ça doit venir de là où on l'avait confié le mandat ou bien la mission, biso to kendete. Allez, bande gonyo so balobi, c'est-à-dire mouto aza seriete. Ne boyo ki ke o, ba suspendre ce qui déroulement ya ba travaux ya forum wana. Eko kende pete, eko sa le maté. Il dépense à côté de la porte à la bille au coin à tête. Okani. Et ce que je vous dis ici, Naza Kolobango devant la presse, Nakani si bakote la e vidéo, bakote la ba image, ya matiné oi. Ce n'est pas sérieux. Toloba ki toko kende kuna te. Okani malam. Voilà, chers compatriotes, Tosuki Wana, Wana Ezalaki, bah, information brièvement, bah, titre Oyo, Toponaki, Ponabino, Oyo, Ezali Kosala Beze dans l'actualité. Donc, la sortie de la prison, l'acquittement de l'évêque Mokula, c'est son premier message. Liwaye à Paul Kagame balobi qui a profité, bah mon sous balobi qui a profité, donc Zali rumeur y a Lokuta, donc UDP ça coquine de la forum T. Bon, verbalement, je vais vous dire que il y a parce que Toloba qui envoie la titre, donc. Joseph Kabila bafundi na cour de cassation. Donc à Botolaki diamant il y a 822 carats banda prometa ndeko Théodore qui a foutaillé tilelo. Donc à Sengina ba dommage intérêt diamant et ngomo ezali soki 1 milliard 200 millions. Voilà chers compatriotes. Titre Koutou, n'a pas tant rapidement, hein. Zawapi. Voilà, chers compatriotes, Namoni Yango. Voilà. RDC, Joseph Kabila accusé d'avoir spolié un diamant de 822 carats. Plainte. Voilà. Un homme d'affaires congolais répondant au nom de Théodore Mbia Kalala, ah oui, moi aussi je suis Kalala, a déposé une plainte à la Cour de cassation ce mardi 25 août à charge de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour spoliation d'un diamant de 822 carats. 822 carats, ils avaient ce qui, combien de grammes? Ouais, je connais pas la conversation. Je connaissais, mais je connais pas la conversation. La conversion du carat au gramme. En ma qualité d'homme d'affaires domicilié au numéro 12, avenue Kimbwala, commune de Mongafula, à Kinshasa, par la présente plainte, je vous saisis pour des faits qui s'apparentent à la spoliation de mon diamant par Monsieur Joseph Kabila Kabangé. Alors qu'il présidait aux destinées de la République démocratique du Congo, indique la plainte, dont une copie est parvenue à nos confrères d'actualité.cd. Voyez, okay. Donc, allez à actualité.cd, mais ben là, il va publier info-rdc.com. Voilà. Alobini Niaon.
Monsieur le procureur général, les preuves sont légion pour étayer la malice, la ruse de Monsieur Joseph Kabila Kabangé, qui a usé de son autorité en tant que président de la République démocratique du Congo pour s'approprier de mon diamant, un bien qui ne lui appartenait pas. De ces faits, j'ai subi d'énormes préjudices incalculables au moyen desquels j'exige de Monsieur Kabila, Joseph Kabila Kabangé, et de sa suite, une réparation subséquente. Peut-on lire sur cette plainte? Voilà. Alors, Bakomini, les journalistes, a commis. Théodore Mbia Kalala appelle le procureur général près la Cour de cassation à condamner Joseph Kabila à restituer son gros diamant de 822 carats, soit de lui devoir un versement de la somme d'1,233 milliard de dollars américains. Monsieur le procureur général, nul n'étant au-dessus de la loi, vous le condamnerez à la restitution de mon gros diamant de 822 carats ou au versement de la somme de 1,233 milliard de dollars américains, c'est-à-dire 822 carats fois 1,500,000 dollars. Et à titre de dommage et intérêt pour réparation de tout préjudice subi au paiement de la somme de 900 millions de dollars, indique la dite plainte. Et bébé Joseph Kabila, ah vraiment, ça, ce n'était pas un pays, hein. Ça, c'était une république bananière de Joseph Kabila. Bon, journaliste à Kominine, cette pierre précieuse a été saisie en 2005 par la douane du Royaume de Belgique pour exportation frauduleuse et origine douteuse pour non-certification dans le pays d'origine, selon les prescrits processus de Kimberley. Après des tractations entre la Belgique et la RD Congo, ce diamant fut remis au parquet général qui le confia à la Banque centrale du Congo pour une garde sécurisée. Depuis, le propriétaire de ce diamant, en l'occurrence Théodore Mbia Kalala, a remué ciel et terre pour entrer dans ses droits. Mais en vain, le chef de l'État, Joseph Kabila, a même été intéressé dans cette affaire par l'entremise des chefs des différentes confessions religieuses de la RD Congo réunis en Mbujimayi et aurait promis de régler cette affaire. Mais in vain, en vain. Bon, mon cher compatriote Oyo Ezalaki, République bananière. Voilà, nous terminons par là et nous implorons le Créateur qu'il puisse bénir la République démocratique du Congo. Ingeta.